Lucien, regarde. L'année 2018 vous présente ses meilleurs vieux. Jacques, Claude, Patrick. Allez, moi je me sens pas concerné, moi. Je me sens pas concerné. C'est pour ça que tu as fait un Jean-Berdus Capitaine. Il y a 64 ans que tu vas avoir. Alors, l'année 2018 vous présente ses meilleurs vieux. Tu as bien enregistré Jacques, Claude, Alain et Patrick. Ouais. Longue et bon, plate. Voilà. Et j'ajouterai que si cette année on ne fait pas plus de marches, qu'on n'en fasse pas moins. Voilà. Et voilà. À l'an qui vient, hein, que si c'est gagne pas mal, c'est gagne pas mal. Et qu'elles soient un peu mieux organisées. Alors là, nous sommes à Cabas. Ouais. Si tu te tournes, on va revenir par là-bas. Où il y a un très beau point de vue. On est, et bien entendu, l'année 2018 vous présente aussi le plus jeune de tous les vieux, c'est quand même Bernard, mais cette année, c'est 4 ans. 60 ans cette année. Qui est le bandit, Patrick, qui est le bandit, Patrick. Et pour moi, c'est 69, l'année érotique. Alors, là, c'est la balade de Cabas. On va aller dans ce massif forestier. Voilà. On va voir deux dolmens. Ah. Le dolmen de deux dolmens de la Boussière. Est-ce qu'ils ont la pierre sommitale? La pierre sommitale, c'est le dolmen de la Gastée qui est un peu plus loin. Après, nous allons descendre, aller au Grenouillet ou à une rivière, la plaine. On va aller au domaine Riquier. Après, on va remonter ici. Après, là-bas, regarde, tourne. Là-bas, il y a la chapelle Saint-Clair. On va monter à la Notre-Dame du Glaive. Et tu vois là, c'est là où tu vois les grottes avec. C'est la grotte des Fées, là. Là, il y a Notre-Dame du Glaive. Non, sur le plateau en bas, là. Alors, Notre-Dame du Glaive, Cabas, au XIIe siècle, était encerclée par les Sarrasins. Regarde, les Sarrasins. En voilà un, là, tu vois. C'était encerclé par les Sarrasins au XIIe siècle. Donc, 900 ans après, les Sarrasins sont toujours et là. Et d'un coup, il est sorti Notre-Dame, la Vierge avec un glaive, elle a chassé les Sarrasins, elle a sauvé Cabas. Dans son honneur, ils ont fait une chapelle, comme on verra tout à l'heure, Notre-Dame. La balade de Sia, la cascade. Ça a l'air. Ah oui, c'est le carreau. Sien. Il m'a dit, comment le pas cette fois-ci, il m'a dit. Ça ressemble. Alors regarde Claude qui s'est fait éclabousser par Bernard. Donc qu'est-ce qu'il y a eu Claude? Qu'est-ce qui s'est passé? 1 à 0 pour Bernard. J'ai l'impression qu'il y a eu une attaque d'esplousse. Ouais. Ah, tu t'es fait fracasser, hein? Tu t'es pas méfié. Il a été au mauvais endroit. Je te présente Luna Bagna de Iquel, le nez mouillé des collines. Le gros nez. C'est quoi alors ça? C'est pas un dolmen de ferraille. Ah, c'est quoi Patrick ici? Ça, c'est un ancien jazz. C'est un ancien jazz. On va lui renvoyer. Là, tiens le méchant Claude. Alors, tiens le bord et l'entrée de l'autre côté. Regarde le mur comme il est bien fait, écart là. J'espère que je ne vais pas la doubler là. Et là, tiens, allez, là, regarde. Ouais. Il n'y a pas un bord ici, il n'y a pas un pied. Il y a la cheminée. Il y a la cheminée, regarde. Là, tiens, Jeanne d'Arc dessus. Quoi. C'est un bord ici, mais il est... Mais c'est un bord spécial. Ouais, qui le prouve? C'est un bord spécial. Déjà, tu as trois spécimens dessus. De ton nez, de ton gros nez. Elle est bouchée. Elle sort de ton gros nez. C'est le dolmen de la Boussière. Là, c'était la pierre où tu avais dessus, là. On mettait la pierre au sommitale. Et là, c'était un tombeau. Donc, il faut voir 10 000 ans avant Jésus-Christ. Les gens étaient enterrés, là. Alors, voilà, il y avait peut-être, ils sont là. Il y avait peut-être une femme, il y avait peut-être un homme. Mais ouais, il est bien court, ce tombeau, pour rentrer quelqu'un. Ouais, est-ce que tu penses que... Allonge-toi, on va voir si y a la longueur. Il va s'allonger. Regarde, les pierres se sont inclinées. Allez, il va s'allonger. Allez. Allez, il va s'allonger. Alors, essaye-le. Je vais voir. Essaye-le, vas-y. Peut-être que je vais y passer quelques siècles, là. La tête là-bas, là. Alors, voilà. Quelques millénaires. Ah.
La longueur n'y est pas. Ah non. La hauteur peut-être, oui, mais la longueur n'y est pas. Non, la longueur n'y est pas. Non, mais regarde, regarde, pour pas qu'il s'échappe. Pour pas qu'il s'échappe, on lui mettait une pierre dessus. Tu as vu? Je vais passer des millénaires à un chien de fusil comme ça. Voilà, c'est pas confortable. Il va être mal installé. Non, non. Bernard, le problème c'est que tu n'as pas encore mis au propre l'ancien film, tu en tournes déjà un deuxième. Attends, je ne parle pas. Non, hein. Si tu me coupes, je parle pas. Oh, je coupe là. Allez, maille fer. Alors, je t'explique. Ouais. Cet été, Marco, je suis allé faire du parapente à Seillac dans le 05. Là où il y a la fiancée. Je monte, je monte bien. Mais ça n'intéresse personne, ça. Voilà, je reviens. J'étais à Seillac, pour faire du parapente. Gros plan sur Alain. Et d'un coup, je vois arriver un troupeau de moutons. Oh putain. Avec un berger. Oh, je vais voir le berger pour lui dire bonjour. C'est les bruteurs, ça. Ça, c'est les bruteurs. Allez, les bruteurs. Avec les cornes que j'ai, j'ai peur d'aller. Allez, allez, les bruteurs. Allez, les bruteurs. Ne faites pas du bruit. Non, 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 ça fait bien, ça fait bien, ça fait la vallée. Je vais saluer le berger. Et c'est au berger, je lui ai dit, mais comment va ta bergère? Si tu es berger, tu as des moutons, tu dois connaître Isabelle, la fiancée de mon ami. Alain. Alain. Voilà. Alors, il me dit, Isabelle. Il me dit, je vois pas. J'ai dit, oui, une fille qui a un pick-up blanc qui est au fond de la vallée. Ah, il me dit, oui, Isabelle, la femme à Patrick. Voilà. Oh putain. Mais ça, Patrick, Patrick de la préfecture. J'avais mis les pieds dans les Alpes. Et donc, moi, j'ai pas mis les pieds dans les Alpes. J'ai eu le regret d'informer notre ami Alain de retour. Que j'étais cocu. Il était cocu. Oh les cornes, oh les cornes. C'est malheureux, mais voilà, c'est la vie. Que je sois cocu, ne te regarde pas. Mais ça a été malheureusement la vérité. Comment il y a quoi au sac ouvert? Non, c'est pas moi, parce que moi j'ai un bâton. C'est Jacques, ça. Non, non, je te jure. C'est Jacques. Non, non, je te jure. Tu m'as ouvert le sac. Je te jure. Ouais, arrête. Aïe, merci, Bernard. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Patrick? Alors, à cause du dolmen de la Gastado, le dolmen de la Gastée. Le dolmen de la Gastado. Alors là, tu as la pierre au sommital. Ouais. Ça, en dessus? Dessus, tu as le petit con ou le roi des cons, je sais plus ce que tu as dessus. Ah oui, il y a une nain dessus. Il y a une nain de jardin qui est fournie avec le dolmen. Le nain du dolmen. Regarde. Allez, oh. Voilà. Bien, quand tu filmes un peu dans le dolmen, il est pas beau. Il est magnifique. Envoie une pigne là. Dès qu'il y a un morphé là. Vite, vite, sorte. Il me rend parce qu'il n'a pas pu monter sur le dolmen. Ça n'y a pas comme ça. Un zen. Vas-y, concentre-toi, Claude.
profite que je suis monté en chaire, n'est-ce pas, pour vous souhaiter une bonne année et à ce premier vendredi, après la Noël, pour cette nouvelle année, je suis prêt à vous recevoir individuellement ou en groupe à confession, mes chers paroissiens. Et surtout, n'oubliez pas un chèque en blanc, je m'en contenterai, je mettrai juste la somme. Tu ne loues pas Dieu ? Voilà. Mais c'est de nous une prière. Et maintenant, je vous invite à partager le corps du Christ et le sang du Christ. Parce qu'on a aussi le vin. Alors Claude a apporté la pompe, si j'ai bien compris. Patrick a apporté le gâteau. Et moi, le cidre. Et moi, j'ai porté mon gros ventre. C'est le corps du Christ, alors ? Une pensée pour l'abbé Roger. Ah oui, on a une pensée pour l'abbé Roger qui, n'est-ce pas, n'a pas récupéré de sa sortie à Bandol, le pauvre. La nourriture des dieux. Une trosse des pains, d'olive. D'olive. Ouais. Des l'ail. Pas et de pèbre d'ail. Des quoi? Ramassé par moi. Ah, des quoi, non? Mais en fait, de manger un truc comme ça, moi, ça me fait peine. Un ami qui est vraiment dans le besoin pour manger un truc comme ça. Il y en a qui n'ont rien à manger, toi, tu t'en biffes. J'ai la peine pour toi. Monsieur Blanc, jamais de repos, 7 heures du matin, déjà au boulot. Fatigué avec tout ce bruit, n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et là-bas, dans une île grosse comme un petit pois, papou, gentil comme tout, ont cueilli pour s'habiller des jolies fleurs d'orchidées. C'est Notre-Dame du Glaive, elle a défendu le village de Cabas contre les Sarrasés. Elle est venue avec le glaive quand Cabas était encerclée par les Sarrasins. Elle a une belle gueule. Et depuis, elle s'est endormie. Depuis quand les saints ont un glaive? Ouais, mais c'est une grande force majeure. Elle a une belle gueule. Viens boire. Toi qui souvent tu partages. On va où alors? Ben viens me voir, là on va aller à la grotte des fées, là regarde. Tu vois les habitations troglodytes là? Dans la roche? Oui alors. Tu vois, on va aller en bas là. Ah en bas là, là. Mais on peut pas y monter à ces habitations. Moi j'avais. Après on va traverser là, c'est à l'ombre. On va faire une attends, carrière. Attends, on va aller à la falaise là-bas? Là, en face, couillonne de la lune. En face, c'est où? Là, en face. Tu vas revenir, j'ai pas peine que j'y aille, mais tu vas revenir. Tu vas revenir, j'ai pas peine que j'y aille, là. Des cyclones qui mettent le plat. Ça fait 30 mètres ou 40 mètres de large, là. With what has left me and long, with frown and fast fair to fall. Des moni mot et au long, let grit sobre mi maur. Vous l'avez ramassé? Vous l'avez ramassé en route celui-là? Vous auriez dû le jeter dans le fossé, je vous le dis, parce qu'on n'aime pas plus, nous. Ah! Ah! C'est pas fini!
Ah mais on monte pas nous. Hein? Quoi, on monte pas. Monte pas aux cordes nous. Quelle est là la corde. Tiens, tu te. Le carbine est un grand peu. Mais il sort. Il y a juste quelques trous d'eau, mais ça fait. Même à la route Bruxelles, nous autres. Puisque les avions ne sont plus. À côté du capot. Allez, allez, rentre. Vas-y, enfonce-toi, fais le spé de haut. Regarde, une belle grotte comme ça. Comment on ça? Vas-y. Je veux pas aller loin. Hein. Vas-y. Tu veux mon téléphone? Il y a la lumière. Ça passe, tu crois? Ouais, vas-y. Alors, ici, il y a Johan et Chloé qui sont passés en 2011. Oh, ça me fout. Et il y a Claude. Vas-y, enfonce-toi. Il y a Claude et Pierrette qui sont passés en 2013. Ah, ils sont passés? Ils sont venus? Ils sont pas revenus, apparemment. Apparemment, ils sont restés avis, bloqués. Ils sont passés dans ce sens, mais ils sont peut-être pas ressortis. Alors, oui. Voyons. Tu veux mon téléphone? Il y a la lumière. Oh, personne, j'en ai pas besoin, je veux pas aller loin. Alors la grotte, comment voilà, mais je suis allé dans la grotte, donc c'est même pas le nom. Ouais. Je suis allé, j'ai vu. Ouais. T'as pas vaincu. J'ai été déçu. T'as été déçu. Notamment par le comportement de certains membres de l'équipe. Ouais. Qui sont redescendus. Ouais. On entend. Il a le syndrome de ouais, Cendrillon. On entend Cendrillon qui brame au clair de lune, là. Ouais, ben elle est pas terrible cette grotte. Non, quoi, ça n'avait pas le coup de monter. Quoi. Non, elle fait 5-6 mètres de long et encore marcher à quatre pattes. Ouais. Je suis déçu. Ouais. Je suis déçu. Ah, j'entends le coq galine en bas. C'est dommage que je puisse pas monter, ça m'aurait bien plu d'aller là-haut. Tu crois qu'on va y aller en Bourgogne? Ma réponse est non. Non? Ma réponse est non. Et la tienne? La mienne aussi, je pense qu'on n'ira pas, effectivement. Claude, tu crois qu'on ira? On ira en Bourgogne, Claude. Avec l'autre là? Ouais. Le fonctionnaire? Ouais. Ouais. Jamais. Ouais. Ah ouais? Bon, Patrick. Moi, je dis jamais. On est trois à pas croire en toi. Viens là, Patrick, viens. Attends, il a 65 ans. Il a 65 ans. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il prend dans la retraite. Il n'est pas 65 ans, il est 62 ans et j'en sais rien. Bon, Patrick, chaque jour, quel est ton problème? Explique-moi ton problème psychologique. Le soir, il faut que tu rentres chez toi. Explique-moi pourquoi. Négatif, petit monsieur, dis la vérité. Viens là, viens, ne te cache pas, allez. Allez, te cache pas. Bougez-vous, là. Allez, bouche de bière. Allez, ben viens faire ta déclaration. Quel grand malfaisant. Bon Patrick, explique-moi alors, allez. Attends, là il faut se concentrer. Non, explique-moi, quel est ton problème? Attends, là il faut... Quel est ton problème psychologique? Explique-moi. Oh, il faut rentrer. Viens là. C'est là le chemin. On se court. Alors, fais face à la réalité. Affronte la réalité en face. Voilà. Te plaît. Salut Bernard. Vas-y. Alors, quoi? Bon, couche, alors, là. Voilà, j'ai une question à te poser. Oui. Qui est simple, nette et précise. Claire, précise. Pourquoi? Franchement. Tu ne veux jamais quitter ta maison. Pourquoi il faut que tu rentres absolument le soir chez toi coucher? Voilà. Mais et non, que tu ne peux pas partir en vacances vrai, parce que... Partir en vacances. Quoi? Depuis oui. Quand tu n'es pas parti en vacances? Ça depuis quand tu n'as plus dormi chez toi? Là, c'était vas-y. Hein? Quelle c'est la dernière fois que tu es parti en vacances? Dis-moi. En vacances à la préfecture. Ouais. Bon, allez, hop. Dis-moi, regarde, allez, va-t'en, allez. Mais je bouge. Ah, purée. Ce défi, tu as vu combien c'est défi, là? Alors, je vous présente le premier, c'est Menteur. Voilà. Menteur. Alors là, il y a qui là? Grincheux. Il y a Dormeur après Jacques. Non, Menteur, il est devant. Le prof. Allez. Il y a prof. Après, il y a toi. Bon, on va à l'opidum. Merci, plaît. Il y a Tchoum, quand il voit des gendarmes, il est terminé. Ah, Tchoum, il est là, ouais. Et je te fie, ben, Tchoum. Et pourquoi? Pourquoi? Je suis à Tchoum. Ouais. Et pourquoi? Alors pourquoi? Parce que j'éternue quand je vois la gendarmerie. Ouais. Dans les parages, ça m'a fait éternuer. La vue des la gendarmes. Gendarmerie. Ouais. Donc on m'appelle à Tchoum. OP, vive les gendarmes à pied. OP, vive notre brigadier. Là, tu avais la tour.
Ouais. La tour gauloise. Là, ouais. Tu avais le rempart des Celtes. C'était. Ouais. Et regarde, il y a un Celte là avec un bâton. 5 ou 6e siècle avant Jésus-Christ. Et là-bas, tu as le mât ou fatal. Qui nous intéresse. Et où ça me fout de l'affaire. Alors, Patrick, il y a une autre affaire. Il y a une affaire qui te concerne. Une autre affaire. Entrave à l'information. Oh là là. Ouais. Arrêtez. Patrick, suite à l'affaire des palettes il y a 15 jours, je tu trouves pas bizarre que Bernard ait cassé la caméra alors que tu avais fait des révélations fracassantes? Bernard nous a dit que tu as arrosé. Après toi, Bernard. Alors on était où? Tu vas voir le petit riquet. Tu me alors, fais voir ton petit riquet. Ah ouais, ça. Allez là. Ah mais attends-nous. Attention que ça glisse, hein, Claude. Ah, tu me souviens, con. Mais pourquoi tu te tiens les brailles? T'es seul, con. Alors, on est venu du Grenouillet, là-bas. Ouais. Tu vois? Là, c'est le petit Riquier. Ouais. Après, on a traversé. Ouais. On est allé à la... On est monté. Là, la croix. Alors, il y a on la a fait première chapelle. La chapelle de Saint-Loup, là-bas. Après, on est monté à Notre-Dame du Glaive. Et après, regarde, notre travail du glaive, il y a la croix là-bas. Tu la vois, la croix blanche? Après, on est redescendu. Et on ne filme pas moi. Alors, les palettes. Explique-nous un peu l'histoire des palettes. Regarde, ça y est, regarde, tiens, regarde. Il est beau, regarde, il se défile. Les palettes. Putain, mais on vient pour s'aérer, toi tu dis que des conneries, Claude. Mais je te laisse déconner, la semaine prochaine, je suis là. Alors on est où là? Alors là, on est à Cabas, viens voir. Attention, on est à Cabas. Non, mais regarde, là, tiens, tu vois, regarde la bande là. Alors, viens voir, pousse-toi. Tu vois, c'est bien orienté, hein. Ouais, il y a le parking là. Pousse-toi. Tu vas lui chercher, tu vois le parking, on aurait comment dû se garer là. C'est son bâton de vie. Dans la Sainte-Baume, il y a un petit mois. Yugi est de où? Qui t'a embrassé? J'ai embrassé Aline. Tous les arbres sont pleins. Tous les arbres. Aline? Ouais. Tu as crié? Aline. J'avais décidé de dessiner... Elle habite où, Aline? À Saint-Mardabé ou à Cayolle? Cayolle? Tu as crié? J'ai crié. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Ouais. Et puis, je ne me rappelle plus bien, mais il y a eu une. Tu as crié après. Voilà, j'ai crié. Oh, mais il y a un monument là-bas. Oui, non, pas d'attribut sexuel. Oui, je vais te montrer où il m'a perdu. T'as vu, un corps. C'est le petit vivier là. Ouais, le petit vivier là-bas. C'est ce petit vivier. Tu vois, là, il y a le dolmen. Ça bien pour l'oiseau, là, il y a le grillage ici. Tu vois, je te l'ai pas promis, ça c'était la cerise sur le gâteau. Non, tu ne t'en rappelais plus. Si, je m'en rappelais, mais je ne savais pas s'il était encore là. Plus. Même la cheminée fume, regarde. Tu ne t'en rappelais plus. Ah, là, s'ils ont mis la clé. Oh, comme c'est joli. En tout cas, elle est bien faite. Ah, vraiment, tu vas faire pareil, ouais. Claude. Je t'en commande une, tu me l'as fait. Oui, vas-y. Mais arrête, oh putain. Alors. Alors, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Alors, expliquez-nous. Je peux pas. Allez. Je suis muselé. Allez. On muselle l'information. Alors, il y a, de la part de Patrick. Il y a un scandale, qu'est-ce qui se passe? Obstruction de la vérité. Oh, il veut faire de la vie. On muselle les journalistes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, il y a vol de palette à la préfecture. Allez, ah ouais? Après, ce que je lui reproche, c'est qu'il nous fait baver. Il nous dit qu'il va nous mener en Bourgogne. Il nous mènera jamais en Bourgogne. C'est un grand malfaisant. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a? Après, il t'a arrosé. Il t'a arrosé parce que. Le coup des palettes, il t'a racheté la carte. Il t'a racheté la carte. Donc, ça fait déjà 3 chefs d'inculpation. Après. Et la Bourgogne. Après, mardi, il ne veut pas venir avec nous. Vous savez pourquoi? Il ne veut pas venir avec nous mardi. Parce que Claude ne vient pas. Alors que quand Claude ne vient pas, Patrick ne vient pas. Ah ouais. Ça fait 4 mois. Attention, je vais vous poser après. Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis. Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit.